Louise, parle-nous de la journée d'hier quand on a été à Uxmal. C'était ça assez extraordinaire, cette place-là? Oui, c'est extraordinaire. C'était plein de temples, mais dans un jardin à côté, il y avait des petites mini-forêts. C'était beaucoup d'emplacements, beaucoup de sites, beaucoup de temples. Avant d'aller là, on va manger. Qu'est-ce que tu as commandé en espagnol? J'ai commandé des huevos. Des huevos et des œufs. Le problème qui arrivait sur le menu maintenant, c'est de savoir est-ce qu'ils sont frits, tournés d'un côté ou de l'autre. Oui, il y a tout quand même. Et avec la compagnie avec quoi? Puis bon, fait, finalement, je voulais m'en sortir. Puis huevos, c'est pas la même chose que ce que la vie. Ici, c'est pas pareil. Ah, gracias. C'était bien à cause des arbres, parce que quand on circulait comme d'un endroit à un autre pour visiter ce que les Mayas ont construit, bien souvent on était à l'abri du soleil à cause des arbres, ça faisait un bien. Puis il y avait quand même un petit vent. Puis quand tu montais ces fameuses marches-là, le petit vent, bien, il devenait un peu plus fort, là. Savoir comment prendre son élan descendant pour bien faire chaque pas. C'est ça, bien sûr. Puis, ça vaut le détour, il y a beaucoup de signification dans ces endroits-là. Oui, oui. C'est un endroit historique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'expérience des marches sur un temple où vraiment t'avais le vertige en descendant. Une chose que j'allais le faire, puis quand je t'ai vu monter, puis t'étais déjà monté, je me suis dit, je sais pas comment il a fait, mais j'étais inquiète pour savoir comment tu le descendrais. Ben, c'est de dire. J'avais apporté mon Crazy Carpet. Et puis, l'endroit était vraiment la peine. Ah, oh, ouais, ouais. Il y a tous les temples qu'on peut voir sur place. Ouais. Et puis, on a des zones de fraîcheur. La carte postale, ça? Oui, c'est vrai, c'est une belle carte postale, ça. Les deux ensemble, là?